m'asseyant dans la voiture accidentée, j'eus l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouve un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu, et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserai leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Y a quelqu'un ? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar, mais j'étais bien réveillé. Les lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Y a quelqu'un ici ? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident ! Hé ! Hé, vous ! Il y a eu un accident ! J'ai besoin d'aide ! Écoutez, il faut que... Charlotte Standing a loué à... Charles Force ! Oh merde ! Charles Stucky ! Ravi de vous connaître ! Un acon. Non remboursable est exigé à la réservation ! Pas d'arnaque! Pas d'arnaque! Teddy se tenait devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrai la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain,
Quelque chose céda, et la lumière se fit plus vive. Absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Ça semblait assez réel pour me rendre malade. Ma lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. Je savais qu'elle en rajoutait, mais à présent elle s'en moquait. Pour sa part, sa brève rencontre avec Alan Wake avait été le plus grand moment de sa vie. Elle le regarda monter en voiture avec sa femme. Cette dernière était jolie, sûre d'elle, et à l'aise avec Wake, contrairement à Rose. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle aurait tout donné pour devenir leur amie.
Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Était surexcité. Il avait sauté dans un avion après qu'Al et Alice avaient ignoré ses appels pendant plusieurs jours. Cela pouvait signifier qu'il s'offrait une seconde lune de miel, mais Barry n'y croyait pas. Al était bien trop instable pour cela, insomniaque, tourmenté. Barry s'occupait d'Alan Wake depuis des années, et il devait l'admettre, il se passait quelque chose. Possédés. Ce sont des possédés. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Je les entendis avant de les voir, crevant l'essieu à toute allure dans un grincement. Je me retournai alors que le nuage fonçait sur moi. Un instant, je contemplai une centaine d'yeux morts, des perles noires étincelant dans les ténèbres.
Je levai la lampe torche et l'essaim explosa comme des feux d'artifice. Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres. Mon cri se perdit parmi les leurs. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter. De sortir prendre un peu l'air et ah, quelle nuit, les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants et ah, faites-le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas un nuage. Entendez la forêt respirer paisiblement avec vous. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis un oiseau de nuit et je regretterais presque d'être ici en studio par une si belle. Ça donne des envies d'évasion au vieillard que je suis. Mais c'est comme ça. Et qui vous tiendrait compagnie tard dans la nuit si j'étais pas là? Ah, ah, on dirait que je ne suis pas le seul couche-tard de la ville. Vous avez la parole. Salut, Pat. C'est Maurice Horton. Salut, Maurice. Quoi de neuf? Eh bien, je viens tout juste de promener Toby. Oh, il fait beau, pas vrai? Oui, mais le problème, c'est que Toby a entendu gratter dans les broussailles et il est parti fouiller. Depuis, je l'ai pas retrouvé. Sûrement un lapin. Oui, Toby adore les lapins. C'est sûr. Enfin bref, et si jamais quelqu'un tombe sur Toby, faudrait l'attraper. Il y a mon numéro sur son collier. Toby est un chien gentil. Toby adore les gens. En général, il revient, mais on était assez loin de la maison, et on aurait dit qu'il était devenu fou. Oh, c'est un brave chien, mais il est bête à manger du foin. Eh bien, Maurice, le message est passé. J'espère que Toby rentrera bientôt. Ouais, merci, Pat. Passe une bonne nuit. Je trouvais les pages comme par accident. Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle, soit un acte créatif qui avait réécrit le monde. Je me mis à chasser les pages fiévreusement, car elles détenaient la clé du mystère. Grâce à elles, je sauverais ma peau. Grâce à elles, je sauverais Alice.
J'approchais enfin de la station-service, ses lumières m'invitant à m'y abriter. Paul fait les meilleurs hot-dogs du coin. Le Pédor-dog est le meilleur et de loin. Le Monster-dog, il vient juste après. Le Famous-dog est troisième. Dans le garage de la station-service. Il était sombre et calme, un vrai bazar. On aurait dit que quelqu'un avait tout détruit ou qu'on s'y était battu. La lumière filtra dans la pièce par une porte ouverte à l'arrière et je me dirigeai vers elle. Je fus soudain aveuglé par une lumière vive. Sur une étagère, une vieille télé portative s'était allumée toute seule. Aussi dingue que cela paraisse, je me vis à l'écran, parlant, comme un illuminé.
la science. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Einstein, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage si glorieux se paie cher. Dans la zone X. L'épisode de ce soir, Suicide quantique. Si nos vies à tous sont déjà écrites, il faudrait un homme courageux pour en modifier le scénario. Ayant organisé une conférence, le docteur Barclay Colvin est sur le point de prouver son courage aux yeux du monde. Bienvenue, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis le docteur Barclay Colvin. Et je suis très heureux que vous soyez venus aussi nombreux me voir ici, à l'Institut Moorcock. Ce soir, vous allez assister à la démonstration pratique de l'interprétation des univers multiples. Comme vous le voyez, ceci est un pistolet chargé de calibre 9 mm. Il fera partie d'une expérience théorique et pratique dans quelques instants maintenant, portant le nom de suicide quantique. Il a bien dit suicide ? C'est une vraie arme ? Il rigole quoi ? Voyons, je vous en prie, gardez votre calme, c'est sans danger, croyez-moi. Observez plutôt ce qui arrive lorsque je positionne l'arme sur mon propre front. Certes, vous pouvez penser que tout cela n'est qu'une mise en scène. Vous auriez tort. Observez le pot de fleurs. Et pourtant, cette arme ne peut me faire à moi aucun mal. À chaque pression de la gâchette, deux nouvelles réalités bifurquent. L'une dans laquelle l'arme n'a pas tiré, et l'autre où elle a bel et bien tiré. Grâce à la machine que voici, je me suis assuré que la première réalité s'accomplisse à chaque fois. Je me suis ainsi accordé l'immortalité quantique. Il est tout simplement impossible que ce pistolet puisse m'ôter la vie. Attendez un peu. Ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois que vous tirez dans une autre réalité, vous... mourrez ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a un nombre infini de choses qui peuvent survenir à tout moment. Et elles surviennent toujours quelque part. L'important, c'est que la chose en question n'a pas eu lieu ici. Vous êtes cinglé, Colvin. Cinglé ? Cinglé ? Hé, hey, est-ce que ce truc était censé être branché ? J'ai trébuché dessus. Bande d'idiots ! Voyez donc de vos yeux l'immortalité quantique. Notre pauvre docteur Colvin. A-t-il été trahi par son orgueil ou par la bêtise des mortels? Peut-être aurait-il dû laisser la boîte fermée et laisser les choses telles qu'elles étaient. La curiosité s'avère bien souvent fatale dans la zone X. De Cauldron Lake, demanda-t-elle. Le shérif me regarda d'un air soupçonneux. La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres du bureau. Je ne serais sûrement pas sorti vivant des bois sans son aide, mais je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais vraiment vu la nuit précédente. Elle me prendrait pour un menteur ou un dingue. Elle me ferait enfermer, et elle ne m'aiderait pas à trouver Alice. Stucky disparut, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir.
Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment, au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Cracha sur le sol du garage et tenta de reprendre ses esprits. Depuis que le couple n'était pas passé prendre les clés, tout était confus. Une chose, une impression attira son attention. Stucky leva les yeux et resta bouche bée tandis que son cerveau essayait en vain d'assimiler l'horreur devant lui. Il trébucha, renversant un bidon d'essence. Une flaque noire se répandit sur le sol. Il lutta, brièvement, puis se laissa aller dans les ténèbres implacables qui l'engloutirent. À notre arrivée, on était à 2 semaines de la fête du cerf. Si le décompte de la bannière disait vrai, il s'était écoulé 1 semaine entière depuis la nuit de notre arrivée. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête ? Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Brecker, vous êtes ? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake. Pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va ? Écoutez... On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer par le lac, ensuite on ira dans mon bureau. Ok ? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky ? C'est le propriétaire. Je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. Candy-colored clown, they call the Sandman. Fellow is dead.